vous remercier de nous avoir donné ce temps de parole pour essayer de donner la particularité de la Ligue panafricaine Umoja. Alors, toute la première partie de la conférence a consisté à expliquer le constat de la situation, ce qui se passe sur le continent. Je pense que ce qui se passe en ce moment au Mali est un cas d'école, on va dire, exemplaire, qui n'est pas nouveau en soi, puisque c'est le constat que le régime sous lequel l'Afrique fonctionne aujourd'hui, c'est le régime de 1963, c'est ce qu'on avait décidé voilà, au mois d'août, à l'OUA, quand on a créé l'OUA. Il faut bien se souvenir que lorsqu'on a créé l'OUA, il y a eu deux grandes thèses. La première thèse, c'était la thèse de Kwame Nkrumah. Cette thèse qui a consisté à demander que nous puissions faire des sacrifices en termes de souveraineté. C'est-à-dire qu'il fallait créer une armée commune, une défense commune, une monnaie commune, une diplomatie commune. Le Ghana et un certain nombre de pays étaient d'accord pour céder une part importante de leur souveraineté. La deuxième thèse, c'est la thèse soutenue par Oufet Boigny, notamment le groupe de Morandia, qui préconisait que l'unité africaine, dans le cas de l'OUA, devrait juste s'arrêter sur des relations entre États, et chaque État allait conserver sa prétendue souveraineté. Et un an plus tard, je crois en 64, ils ont décidé de consacrer ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Donc ces décisions des années 60 qui ont fait que aujourd'hui des minuscules d'États, des poussières d'États, qui ont développé 50 ans plus tard ce qu'on appelle des nationalismes, mais des nationalismes d'apparat, puisque ça ne protège personne, et qui donnent ce spectacle navrant que nous avons sur le Mali, sur la Centrafrique il n'y a pas longtemps, où quelques rebelles avec des pick-up sont capables de prendre des villes entières. Toutes ces situations sont des constats donc, qui montrent que la thèse de Kwame Nkrumah avait raison. Mais ça ne suffit pas d'avoir raison. Encore faudrait-il faire prévaloir le fait que maintenant il faut changer de cap. Alors, la particularité du panafricanisme aujourd'hui, c'est que contrairement aux pères, donc les Kwame Nkrumah et évidemment leurs anciens, les Du Bois et autres et tout, c'était des hommes politiques. Le panafricanisme a des revendications politiques. Le panafricanisme, ce n'est pas des revendications uniquement culturelles. Or, depuis 40 ans, 30 ans, nous nous contenons, c'est très bien, à faire du culturel, à faire de l'histoire, mais on ne fait pas de politique. Nous voulons un État fédéral, nous voulons une monnaie commune, nous voulons une diplomatie commune, une armée commune. Nous voulons une armée commune. Et ce sont des revendications politiques. Or, ces revendications politiques ne peuvent être réalisées que par des hommes politiques. Nous disons, paradoxalement, que les chefs d'État africains sont des tribalistes. Ce sont des agents de l'impérialisme. C'est vrai. Mais les mêmes panafricanistes attendent de ces chefs d'État de faire les États-Unis d'Afrique. C'est un paradoxe. On ne peut pas faire les États-Unis par procuration. Donc il faut que les panafricanistes prennent la responsabilité de s'investir en politique. C'est parce que nous allons nous investir en politique que nous allons espérer changer la donne. Mais on ne peut pas continuer à nourrir des rêves en considérant que ceux que nous considérons comme agents néocoloniaux, comme tribalistes, vont le faire à notre place. Donc la Ligue panafricaine Umoja ne fait pas d'originalité, puisque cette thèse a déjà été défendue par des Africains politiques. Nous proposons aujourd'hui de revenir au centre, donc dans la politique. Il faudrait que les panafricanistes entrent en politique. Effectivement, ce discours tenu ici à Paris, loin de l'Afrique, ça fait beau, voilà, ça fait même rêveur d'une part. Non! C'est possible aujourd'hui d'impulser des mouvements dans chaque territoire et que nous puissions partir cette fois-ci, non pas du sommet comme on a attendu depuis longtemps pour créer les États-Unis, mais de la base vers le sommet. Donc nous avons pris l'engagement de le faire depuis 2 ans. Nous avons d'abord été Ligue panafricaine du Congo. Mais on a changé pour devenir Ligue panafricaine Umoja. Ligue panafricaine du Congo est devenue une section territoriale de la Ligue panafricaine Umoja. Notre travail consiste à repérer dans chaque territoire africain des panafricanistes de façon à les pousser à se rassembler, à sortir du culturel pour devenir des agents politiques dans chaque territoire africain. Et puis concourir au jeu politique local. Parce que si vous regardez bien aujourd'hui, il suffit de regarder une élection générale, il n'y a aucun parti politique qui se revendique panafricaniste.
aucun, que ce soit une élection législative, municipale, présidentielle. Soit c'est nous qui avons des mauvaises solutions, parce que ça ne correspond pas à la réalité, soit ce sont ceux qui sont sur le continent qui sont pragmatiques par rapport à nous. Donc il faut bien faire le choix. Donc si nous considérons que le panafricanisme est la solution, nous devons travailler à inverser la tendance. Ça prendra du temps, mais si on avait commencé à 30 ans, peut-être qu'on aurait déjà eu un territoire, deux territoires. Donc plus on attend, plus les échéances deviennent compliquées. Donc il est temps que les panafricanistes changent de cap, puissent s'investir en politique. Pour être concret, la Ligue aujourd'hui a pris langue avec les mouvements panafricanistes qui sont sur le continent. Pour des raisons évidentes, on ne va pas vous donner tous les détails, parce que nous parlons de l'action politique. Nous avons pris langue avec les mouvements qui sont sur le territoire. Nous sommes particulièrement surpris, parce qu'il y a des panafricanistes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Bénin, au Congo démocratique. Un peu partout, il y en a. Sauf que ces panafricanistes sont émiettés. Un autre paradoxe, les panafricanistes proposent l'unité africaine, mais ils sont eux-mêmes émiettés. Ici, vous avez les Nkrumistes, les Garveyistes, vous avez les Lumumbistes, vous avez je ne sais quoi. Tous veulent l'État fédéral. Ils veulent la monnaie, ils veulent la diplomatie commune, mais ils ne sont pas unis. Mais ils proposent aux autres de s'unir. Il y a un problème. Donc, il faut que les panafricanistes commencent déjà à briser, à mettre fin à ces paradoxes et se mettre en ordre de bataille. Donc, dans la Ligue panafricaine du Congo, il y a des Nkrumistes, il y a des Garveyistes, il y a des Lumumbistes, il y a tout le monde. Nous disons que nos divergences internes ne sont pas plus importantes que les objectifs. On peut débattre. Est-ce que Garvey avait plus raison? Est-ce que Nkrumah avait plus raison? Mais sauf que tous les deux voulaient l'État fédéral. Ils voulaient la monnaie commune. Ils voulaient la diplomatie commune. Vous prenez aujourd'hui la gauche en Europe, ils ont des sensibilités différentes. Mais quand il s'agit de se battre, se mettre ensemble. La droite, c'est pareil. Et plus encore, quand ce sont des intérêts occidentaux, toutes ces différences s'effacent. Donc nous devons apprendre aussi de faire ça. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un deuxième Mali, un troisième Mali, on va se retrouver pour faire le constat. Et ce constat, on a assez. Ce constat est là. Ça va aller de pire en pire. Il faut se dire la vérité. Donc il est temps que nous nous mettions en ordre de bataille. Contrairement à nos prévisions, nous croyons que les panafricanistes étaient unis. On peut vous dire aujourd'hui que l'unité des panafricanistes est un combat déjà en soi, pour unir les panafricanistes. Donc abandonner nos petits égaux, abandonner... c'est un combat en soi. Nous avons d'ailleurs l'objectif de remettre en selle ce qu'on appelle les congrès panafricains. Parce qu'il y avait des congrès panafricains par le passé. Il y en a eu jusqu'en 45-5 à peu près. C'est le dernier en 45 qui a impulsé Nkrumah, qui était le secrétaire de ce congrès avec Padmore, d'accord. Et depuis, la tradition de ces congrès est terminée. Nous voulons remettre ces congrès en place. Comme ça, chaque 4 ans, chaque 5 ans, les panafricanistes se rassemblent, on fait le point sur chaque territoire, qu'est-ce qui ne va pas dans tel territoire. Ça doit nous interpeller. Il y a une élection là, par exemple dans un pays africain, prenez n'importe quel pays africain, combien de partis, combien de mouvements panafricanistes? Ce que nous voulons, ce sont des revendications politiques, ce n'est pas autre chose. Donc il ne faut pas continuer à tromper, parce que si on continue à nourrir ce rêve, à tromper nos populations alors qu'on sait, nous sommes autant coupables que ceux qui ont pris l'engagement de faire le travail avec les impérialistes. Donc il faut bien comprendre que aujourd'hui nous devrons prendre la responsabilité d'impulser des mouvements locaux. Évidemment, de Paris, c'est pas évident, mais le travail est possible. On a des moyens technologiques aujourd'hui pour pouvoir impulser des mouvements. C'est ensemble qu'on va le faire. Voilà. Donc si vous avez des questions, ça serait très bien, mais en même temps, je peux déjà dire que le doyen Doumbia est ici. En ce moment, il est installé au Mali. Nous sommes en train de faire un travail pour que la section du Mali se mette en place. Nous avons déjà commencé ce travail. Dans les prochains jours, certainement, vous apprendrez que la section LPU du Mali va se mettre en place. Mais j'ai parlé du doyen Doumbia parce qu'il est sur place. Je peux vous dire que dans toute la sous-région, certainement, en 2013, vous aurez des informations sur l'installation des LPU. Juste pour finir, le continent est compliqué. Les territoires ne se ressemblent pas. Il y a des dictatures, dans certains cas, mais partout, il n'y a pas des dictatures. Des démocraties de façade, bien sûr. Mais il faut profiter de ces situations pour pouvoir exister. Nous disons, s'il y a une dictature dans un pays africain, ce n'est pas une raison pour que les panafricanistes ne s'installent pas. S'il y a une dictature, nous allons nous installer. Nous sommes filmés. Hein. Comprenez bien qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais je veux simplement dire, dictature ou pas, ce n'est pas une raison pour qu'on ne s'installe pas. Dictature ou pas. Il faut développer des intelligences pour que nous puissions exister. Parce que la politique est une affaire d'opportunité.
Si il y a un chambardement dans un pays, si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas profiter de la situation. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, il y a les expériences contemporaines. Il suffit de regarder le Maghreb, ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le printemps. Ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Réfléchissez à ça. Voilà, donc nous voulons vous proposer cette dynamique. Elle n'est pas parfaite. Nous voulons les intelligences collectives pour qu'on puisse avancer. Donc on n'a pas inventé la boussole, on veut simplement vous proposer, remettre en selle les traditions politiques qui ont toujours existé, qui malheureusement n'existent pas aujourd'hui sur le continent. Voilà, donc si vous avez des questions, on va répondre. Il y a le président qui est sur place, il y a d'autres membres de l'organisation. Voilà.